ça par exemple c'est un four. Voilà, ça ce sont des modèles de four individuels. Voilà, ça c'est un four à gaz. Donc il suffit de poser le gaz et puis poser le four dessus. Ça nous permet de griller par exemple des poulets. Voilà, ça c'est avec des grillages. Griller des filets, poissons. C'est utilisé comme four et en même temps comme fumoir. Voilà, en fonction de la température que vous obtenez en chauffage, vous pouvez utiliser pour fumer du poisson, des poulets, de la viande. Vous pouvez utiliser pour faire des gâteaux. Des gâteaux, des petits pains, etc. Donc ça, ce sont des modèles réduits. Voilà, on a des grands modèles qui peuvent faire du pain, des pâtisseries, et tout, et tout, et tout. Voilà, donc on fait les modèles à gaz et les modèles à charbon. Par exemple, celui-là, c'est un modèle à charbon. En bas, là, vous allez voir, on peut mettre du charbon, ici, et le charbon chauffe. Voilà, donc, pour la source d'énergie, on a les deux. Soit à charbon, soit à gaz.